Pratiqué dans le monde entier depuis des siècles, l'écobuage ou débroussaillement par le feu s'effectue chaque année durant les mois d'hiver. Ici, dans les Pyrénées-Orientales, jusqu'à 1500 hectares seront brûlés à la demande du département cette année. On est sur un secteur très sensible à l'incendie et on nous demande de nettoyer les crêtes, la partie sommitale, en bordure de la forêt, de manière que si un jour il y a un feu, les moyens de lutte qui accéderont par la piste qui est sur la crête pourront lutter en toute sécurité. Donc il y a deux demandes, protection de la forêt contre l'incendie et ouverture des milieux pour les agriculteurs. Dans certaines régions, ce sont les agriculteurs qui procèdent aux écobuages. Mais ici, brûler dans ces zones sensibles comporte un risque. Ce sont donc des professionnels du feu qui sont mis à contribution, les formations militaires de la sécurité civile. Transmettre le feu plus haut. Donc la bande de sécurité qu'on fera au niveau du canal, elle est primordiale. Cette mise à profit de leur savoir-faire au service du département leur permet également de préparer la campagne annuelle de lutte contre les feux de forêt. On a la plus-value opérationnelle pour la formation de nos jeunes en vue de la campagne feux de forêt, c'est notre priorité. Ça nous permet, comme je le disais, d'entraîner les jeunes, de leur présenter le feu. Et l'hiver, on apprend beaucoup de choses. On a énormément de retours d'expérience qui sont basés sur justement le comportement du feu. Et l'expérience en brûlage dirigé l'hiver, je suis intimement persuadé que ça nous aide et que ça nous donne une plus-value opérationnelle dans l'observation, dans le comportement du feu l'été. Durant cette campagne de brûlage dirigé, ce sont trois compagnies de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou qui vont se relayer. Une bonne façon pour le régiment d'allier préparation opérationnelle et mission au service de la population.